Bonjour, je m'appelle Jelitsa, je suis instructrice PAYO au CERSUM et aujourd'hui on vous propose un cours de 30 minutes où on va travailler notre souplesse, notre flexibilité et notre cardio. Pour ce faire, on a besoin juste d'un tapis de yoga et de beaucoup d'énergie. Allons-y, on commence. Alors, on commence debout, les abdos engagés, les épaules vers l'arrière. On fait une première respiration juste pour bien commencer notre séance. Expirez. Et on va faire un cercle avec les bras. Here we go. Le bras droit à haut. Et on fait deux squats. Nice. On le fait encore. Cette fois-ci, c'est le bras gauche à haut. Et deux squats. On fait encore la même chose. Cercle. Bras droit. Deux squats. Encore. Cercle. Bras gauche. Deux squats. Et ensuite, on fait des lunges vers l'arrière. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Et on reste pour 3, 2, 1. On change encore. Gauche. Droite. Gauche et on reste. On va le refaire. On y va. Jambe droite. Jambe gauche. Je vous rappelle de garder toujours les épaules au-dessous des hanches. Un bel alignement du corps. Les abdos engagés, la tête à haut. Et on commence à sourire. 1, 2, on s'en va à droite. Side lunge. On revient au centre. Doucement. On descend, plier les genoux. Remonter, engager les abdos. À gauche, s'il vous plaît. Encore une fois, on revient au centre. And up. À droite. Woo. On y va en bas. Et à haut. Et à gauche. On revient. Et ensuite, on va respirer, lever les deux bras à haut. Hop. Exhale, fold. Plier la jambe droite. Et la jambe gauche. Encore, à haut. Expirez. Jambe droite, jambe gauche. On fait ça encore deux fois, s'il vous plaît. On y va. Hop. Expirez. Droite et gauche. Bon travail, tout le monde. Dernière fois. Let's go. Expirez. Droite et gauche. Et on reprend deux débuts. Circle. Here we go. Les bras droite à haut. Two squats. Yay. Circle. Bras gauche, donnez-moi la tension dans les bras, s'il vous plaît. Deux squats. Ensuite, on y va avec des lunges vers l'arrière. Droite en premier. Jambe gauche. Jambe droite, on reste. Je vous rappelle, les épaules alignées avec les hanches. La tête à haut, les épaules vers l'arrière. Abdos engagés. Un, deux. Side lunge, côté droite. On revient au centre. Down, up. Engagez les abdos pour remonter. Allez-y, à gauche. Yes. Down, up. Et ici, on respire les deux bras à haut. Inspirez. Expirez, fold. Jambe droite, jambe gauche. Encore, les bras à haut. Inspirez. Expirez. Droite et gauche. On reprend du début. Circle. Bras droit. Deux squats. Est-ce que vous pouvez aller plus bas pour le squat? On l'essaie. Circle. Bras gauche. Deux squats. Yes. Lunges. Jambe droite en premier. Jambe gauche. Droite. Un. Deux. Trois. Here we go. On reste. On y va à droite. Woo. Down, up. Respirez. N'oubliez pas de respirer tout le temps. Yes. Down, up. Inspirez. Les deux bras à haut. On y va. Expirez. Droite et gauche. Un, deux, trois. Inspirez. Les bras à haut. Expirez. Attention à la gang. On le fait une dernière fois. Deux débuts. Circle your arms. On y va. Hey, bras droit à haut. Deux squats. Hop. Bras gauche. Deux squats. Lunges. On commence avec la jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite et on reste.
Ensuite, la jambe gauche, jambe droite, gauche et on reste. Bon travail. Side lunge à droite. Center, down. Et on déroule, on engage les abdos à gauche. En bas à haut. Dernière partie, respirez les bras à haut. Expirez, fold. Jambe droite, jambe gauche. Dernière fois, à haut. Expirez, fold. Droite et gauche. Donc, on va faire une autre respiration. Doucement, hop. Expirez, prenez votre temps. On le fait encore, on se prépare pour commencer notre séance. Le réchauffement étant fini. Et la prochaine fois, on va s'en aller à la planche. Attention, on respire. Hop. Hold. Half lift. Mettez les mains par terre. Allongez les bras en arrière, les jambes en arrière. Les genoux par terre. Tricep push-ups. On y va. Down, down, à haut, à haut. One, two. Oui. Encore deux fois. Dernière fois. Ensuite, on y va à downward dog. Roll your toes. Downward dog. Pliez les deux genoux. Downward dog. Pliez les genoux. Les abdos engagés, s'il vous plaît. Downward dog. Pliez les genoux. Downward dog. On avance les pieds droits à côté de la main droite. On va lever les bras droits à haut. Low lunge avec un twist. On descend les bras. Gardez la position. On va aller chercher l'étirement ici. 3, 2 et on change. Pied gauche à côté de la main gauche. On lève les bras gauche à haut. Low lunge avec un twist. Yay! Descendez les bras. Gardez la position. Encore une fois, on cherche l'étirement. Et on va faire la même chose un peu plus vite. OK? On y va. Bras droit, pied droit. 1, 2, 3. Descendez les bras. 3, 2 et on change. Pied gauche, bras gauche. 1. 2, 3, descendez les bras. On va changer les pieds, gardez les mains par terre. Pied droit. 1, 2, et on change. Pied gauche, les deux mains par terre. Gardez la position planche, s'il vous plaît. 1, 2, 3, switch. Et on va ramener les deux pieds ici, devant, et on remonte. Les bras à haut. Expirez, fold. Half lift. Les mains par terre, allongez les jambes en arrière. Planche. High, low, upward dog, roll your toes, downward dog, et on reste ici. Donc, ici, pensez vraiment à vous s'étirer. Si ça vous tente de plier une jambe et la autre, c'est parfait. Doucement, on va avancer les pieds et on va faire la salutation au soleil un peu plus vite. On y va, up, expirez, fold, half lift, position planche. High low, upward dog, downward dog, on avance les pieds et on le fait encore une fois. On y va, hop, expire, fold, half lift, position planche, high low, chaturanga, upward dog, downward dog, on avance les pieds et on va faire des squats. On place les pieds, la largeur des hanches, on pousse les fesses vers l'arrière, les talons toujours par terre. On y va encore pour 4. 4. 3. Bon travail. Et ensuite, position planche. Respirez les bras à haut. Expirez, fold. Half lift. Gardez la position planche. Avec la main droite, touchez votre épaule gauche. Vice versa. Downward dog. Avancez les pieds, on fait l'autre côté. Inspirez les bras à haut. Exhale, fold. Half lift. Position planche, avec la main gauche, touchez votre épaule droite, vice versa, downward dog, avancez les pieds et on fait les squats encore, 8 squats, 8, on y va, 7, poussez les fesses vers l'arrière, yay, encore pour 4, les abdos engagés tout le temps, puis n'oubliez pas de respirer, ok, une autre, salutation au soleil, on y va, hop, expirez, fold, half lift, position planche, chaturanga, high low, upward dog, downward dog. Attention ici, la jambe droite dans les airs. Single leg downward dog,
Avancez le pied droit, on va faire un lunge. On plie les deux genoux, on lève les bras à haut. Pour 4, 3, 2 et on va faire l'autre côté. Pieds ensemble, respirez, arms up. Expirez, fold. Half lift. Position planche. Chaturanga, high low. Upward dog. Downward dog. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va dans les airs. Doucement, avancez le pied gauche. On va faire le lunge. Les deux jambes sont pliées 90 degrés. Les bras à haut, les épaules vers le bas. Les abdos engagés. Presque fini. 3, 2, pieds ensemble. On respire. Hop. Expirez. Bon travail. Woo. La prochaine partie, c'est que des jambes. Alors, bonne chance. On se prépare. Pieds largeur des hanches. On commence avec 8 squats. On y va, down up. There we go. 3, 2, la jambe droite vers l'arrière, on reste. On fait 1, 2 et 3, étape, that's it. Si ça vous tente, vous pouvez remplacer l'étape par un genou. C'est quand vous voulez, c'est votre workout. Donc choisissez l'option que vous aimez le mieux. On fait la même chose plus vite. Attention, on descend et on remonte. Même chose que tantôt, le tap, vous pouvez faire un genou à la place. OK? Encore 4 fois. 4, 3, 2, 1. On garde les genoux à haut, les abdos engagés. Donc, placez les mains ici. Qui pensait vraiment que c'est les abdos qui tirent les genoux à haut? Good job. 4, 3, 2, on va faire un side lunge, on s'en va à droite, attention, côté, centre, en arrière vers la diagonale, ok, donc côté, centre, diagonale, two more, encore deux, un, deux, trois, dernière fois, et on va revenir au centre pour le squat, les pieds, la largeur des hanches, puis on descend et on remonte, pensez que le squat c'est comme votre pause, c'est votre break, imaginez ça, donc, on y va encore pour deux. Et on fait la même chose que tantôt avec la jambe gauche. On recule, lunge. 1, 2, tap ou genou. Je vous rappelle les options. Encore deux fois. Quoi que vous fassiez, rappelez les abdos vraiment engagés et le beau sourire. Down, up. Plus vite, pour 8. Here we go. 8. Utilisez vos bras. Pensez que vous courez, OK? Comme ça, c'est plus athlétique. 4. 3, 2, on garde le genou à haut, hop, hop, encore une fois, les épaules au-dessous des hanches, c'est les genoux qui montent, c'est les abdos qui tirent, pour 4, 3, 2, side lunge, are you ready? Donc, côté, tap, diagonale, encore, 1, 2, 3, encore pour 2, hop. Dernière fois, on revient au centre pour le squat. Yay! Voici votre break. Mais j'ai de bonnes nouvelles. On va tout refaire, mais moins de répétitions. Ça va passer super vite parce que vous êtes super bon, right? Allons-y avec la jambe droite. On recule, on reste. 1, 2, 3. Boom! Une dernière fois. On passe déjà à la deuxième partie. Donc, on y va vite pour 4, 3, 2, et on lève les genoux à haut. Hop, boom, yes. 3, 2, side lunge, côté. Tap, diagonale. Le genou ici, toujours derrière les orteils. Down, squat. Voyez-vous, ça passe vite. Parce que vous êtes super bon. Donc, il faut le faire à gauche, c'est sûr. Donc, on n'est pas fini. Donnez-moi encore 12 squats. Dernière. Jambe gauche. Here we go. Et. Woo! Tap ou genou, comme vous voulez. 1, 2, 3. Plus vite pour 8. Yes. Dernière. Genou à haut. Hop. Voyez-vous, je transpire. J'espère que vous aussi, vous transpirez. Allons-y, côté, tap, diagonale. Une autre fois.
squats. On est prêt? Here we go. Alors, j'ai des bonnes nouvelles. On va le refaire. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois. Woo! Donc, on le fait une fois à droite, une fois à gauche. Puis après ça, on passe à une autre chose. Here we go. Jambe droite. Allez-y. 1, 2, 3. Woo! Plus vite, s'il vous plaît, pour 4. 4. 3. 2. Le genou reste à haut. On tire. Beautiful. Good job. 3. 2. Side lunge. Côté. Diagonale. Genou derrière les orteils, s'il vous plaît. Beautiful job. Squat. Est-ce que ça vous tente d'aller en plus pouvoir pour le squat? Je sais que vous êtes capable. Challengez vous-même. Donnez-moi un petit peu plus. Encore deux. Une masse. Jambe gauche. Here we go. Oui. Woo. Plus vite. Pour quatre. Encore deux. Si ça brûle, c'est un bon signe. OK? Don't worry about it. Donc, si ça brûle, c'est que les muscles est en train de changer puis travailler fort, ok? Allons-y, côté, diagonale en arrière, presque terminé. Et on va faire 8 squats supplémentaires. On y va, down up. Encore 4, guys, vous êtes capables, allez. 4, 3, 2, et attention, surprise, surprise, restez en bas, donnez-moi un câlin. Group hug. Abrazo de grupo. Oh oui, on est capable. 4. 3. 2. Et on relâche. Good job. OK, prochaine partie. On se place en arrière du tapis. On va marcher jusqu'à la planche. On fait 3 triceps push-up et on remonte. Vous allez voir, c'est le fun. On commence. Go. 3 push-ups et 3, 2, 1, on remonte, déroulé, 1 squat, oui, allez-y encore, gardez la planche, on y va au downward dog, la jambe droite dans les airs, vous allez avancer la jambe droite, placez les bras aux côtés, ici on fait un cirque, montrez-moi quelque chose, on revient ici, ça s'appelle flight. Montrez-moi quelque chose. On va plier la jambe en arrière. La jambe devant. En arrière. Devant. Et ici, on allonge les deux jambes. On va juste faire un petit étirement. Marchez les mains vers l'avant, vers la jambe droite. On lève la jambe gauche. Ça s'appelle three-point balance. On descend la jambe et on y va du début. Les bras au côté. Slide. Et on me montre quelque chose. On fait un cirque. 1, 2, on plie la jambe qui est en arrière. La jambe qui est devant, si vous voulez ajouter les bras, c'est une option. Yes! Allongez les deux, on se penche vers l'avant, on s'étire, on marche les mains vers la jambe droite. L'allonge, levez la jambe gauche à haut. Hold it, on reste. 3, 2, on le fait encore, c'est exactement la même chose. Montre-moi quelque chose. Tension dans les bras. Les abdos engagés. Pliez la jambe qui est en arrière. Jambe gauche. Jambe droite avec les bras si vous voulez. Gauche. Droite. On allonge les deux. On se penche. On étire. On marche les mains vers la jambe droite. L'allonge. On lève la jambe qui est en arrière. La jambe gauche. Bon travail tout le monde. Et on reprend du début, last time, dernière fois. Circle. Encore. 1, 2, on plie la jambe qui est en arrière. La jambe qui est devant, jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Allongez les deux. Stretch, on fait l'étirement ici. On marche les mains vers la jambe droite doucement. Placez les mains par terre. Levez la jambe qui est en arrière. 3, 2, attention, placez les pieds ensemble, remontez. Respirez une fois. Expirez.
Et on revient en arrière. Et on va faire tout, 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 from the top, du début. On commence par aller à la planche. Walk to the plank. Trois push-ups pour les triceps. Gardez les coudes collés à la cage thoracique. Un autre. Reculez vos mains. Remontez. Et en squat. On va le refaire encore. Je vous rappelle, si vous avez besoin de placer les genoux par terre pour les triceps push-ups, c'est correct. C'est bon. Dernière. Ici, downward dog. Jambes gauche dans les airs. On avance le pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Placez les bras ici. Montre-moi quelque chose. Yay. Encore. Woo. Pliez la jambe qui est en arrière. La jambe qui est devant. Avec les bras si vous voulez. Sinon, vous pouvez tout simplement mettre les bras ici, ok? Allongez les deux. On s'épanche vers l'avant. Étirez-vous un peu. Et on marche les mains vers la jambe gauche. Low lunge. On lève la jambe qui est en arrière. 3, 2, et on y va. Du, du, du. Boom. Tension dans les bras. Abdos engagés. Good job. Pliez la jambe en arrière. Jambe devant. En arrière. Devant. Allongez les deux. On s'étire. Respirez. Marchez les mains vers l'avant. Three-point balance. Up. Prenez votre temps. Il n'y a pas de rush. Descendez la jambe et on y va encore. Uno, dos, tres. Je vais compter en espagnol. Comme ça, vous allez apprendre l'espagnol, non? Pliez la jambe en arrière. Jambe devant. En arrière. Devant. Allongez les deux. Voilà, vous savez déjà quoi faire. Vous êtes super bon, magnifique. Marchez les mains ici. Levez la jambe en arrière. Ok, guys, on va le faire une dernière fois. Descendez la jambe. Dernière fois, on y va. 1, 2, 3, 4, 1. Beautiful. La jambe en arrière, s'il vous plaît. Devant. En arrière. Devant. On allonge les deux. The way you make me feel. On marche les mains ici. Et on lève la jambe à haut, hop. On descend la jambe ici, pieds ensemble et on déroule doucement. On respire, hop. Expirez. Une autre fois, inspirez, hop. Expirez. And shake it, shake it. Donc, prochaine partie. Partie cardio, super important. Moi, je vais sauter, mais c'est complètement optionnel. Vous pouvez tout faire sans sauter, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est vraiment de bouger et d'augmenter les fréquences cardiaques. Ok? On va faire 4 mouvements. C'est juste 3 minutes, puis c'est presque la fin. Ok? Donc, premier mouvement, we're gonna go en bas, hop. Here we go. Pour 3, 2, 1, et on va faire les burpees. Attention, ici. 1, 2, je vous donne une option. Une jambe à la fois. OK? Ou les deux jambes en même temps. C'est comme vous voulez. On fait 4 en total. Dernière fois. Ici, on va lever un genou. Donc, ici, on fait 1, 2, 3 et switch. Donc, si vous voulez sauter, vous sautez. Sinon, vous allez comme ça, mais vous levez les bras à haut. Yes? 1, 2. Attention, on va faire un squat. Et donc, essayez de faire le squat plus large que le tapis. Puis même si vous ne voulez pas faire de squat, le fait que vous vous déplacez comme ça, ça travaille le cardio. Du début, here we go. Down, down. Hip, hip. Si vous ne voulez pas sauter, you go comme ça, down, up. Vous souriez. Super important. Sinon, ça ne marche pas. Two more. Dernière fois. Les burpees. 4 burpees. 1, 2. Rappelez les options. Vous pouvez le faire une jambe à la fois. Woo! Et comme ça, c'est un peu moins intense. Mais on travaille pareil. Step genou. Here we go. 4, 3, 2. Switch. Hey. Woo! Dernière fois. Squat,
plus large que le tapis. Hey, si ça vous tente de toucher par terre, allez-y, sinon c'est correct. Mais arrêtez pas de bouger, guys. On va recommencer du début, c'est la dernière fois. Promise. On y va, squat down. Et, come on, come on. Encore, pour 4. 4, 3, 2, burpees, 1. Woo! Je vous invite à crier ici. Woo! Come on. C'est presque terminé, dernière fois. Step genou, hop. On change. 4 genoux chaque côté. Pas besoin de plus. C'est assez. Dernière fois. Dernière partie. On est prêt? Squat et on touche. Hey, quand vous descendez ici, les genoux derrière les orteils, guys. La tête en haut, même si on touche en bas. Encore deux. Et surprise. Sprint final. Come on. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus vite? Un peu plus haut? Quoi que vous fassiez, allez-y, allez-y. Pour 3, 2, 1, relax. Bien. OK, donc, on va prendre les dernières minutes pour s'étirer, respirer et revenir à la canne. All right? On va commencer avec la jambe gauche devant. Les orteils de la jambe gauche face à l'eau. Ici, mon pied droit. Parallèle au tapis, on va faire un guerrier 2. On va plier la jambe et on allonge les bras vers les côtés. On va garder la position juste comme ça quelques instants. Imaginez que quelqu'un vous tire de chaque côté. Donnez-moi l'attention. Yeah. Et ici, on va allonger la jambe. On monte les bras à haut. Down. Up. En bas. Encore deux. En bas, dernière fois, en bas, ici, voyez mes pieds, twist, low lunge, hold it, on reste ici, 4, 3, 2, 1, ok, doucement, on va replacer les pieds, le bras gauche à haut, regardez vos mains à haut, hold it, on allonge les deux jambes et les bras. On va faire un triangle. Voyez, je fais une ligne droite avec mes bras. Les épaules sont bien alignées. On revient au centre. Et on va faire tout de l'autre côté. Ici, guerrier 2. On garde la position. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous tire de chaque côté. Tension dans les abdos aussi. Ouais, respirez. Il ne faut pas oublier de respirer. Ensuite, les bras à haut et en bas. À haut, on allonge la jambe. On descend. Encore. Un, deux. Respirez ici. Inspirez les bras à haut. Expirez quand vous descendez les bras. Encore dernière fois. Changez les pieds ici. On y va. Low lunge. Gardez la position. Low lunge. Respirez. Puis on va replacer les pieds. Puis on fait un reverse warrior à l'inverse ici. Les bras à haut. On profite pour étirer ici. Regardez la main à haut. 3, 2. On descend. On va fermer nos jambes ici doucement. On respire à haut. Expirez. Allez-y en bas. Gardez vos jambes allongées. On va sentir l'étirement dans les arrières cuisses. Si vous êtes capable d'aller plus en bas, allez-y. Écoutez votre corps. Pliez une jambe et l'autre. Encore. Dernière fois. Pliez les deux jambes. On remonte, on déroule. 3. Doucement. 2. 1. Et ici, on va rouler les épaules vers l'arrière. 1.
2, 3, et vers l'avant, 1, 2, 3, et on va respirer les bras à haut, inspirez par le nez, laissez l'air sortir par la bouche. Encore, hop, fermez les yeux, expirez, descendez vos bras. Encore, on va le faire encore 2 fois. Expirez. Et la dernière fois, ça va être la meilleure. Hop, collez vos mains en haut, expirez. Bring the hands to your heart. Et on va rester ici, placez les mains aux côtés. Et je vous invite à fermer les yeux et à remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire. Toutes les squats, les burpees, toutes les lunges. On fait une dernière respiration. Expirez. Bravo et je vous remercie d'avoir fait ce workout. Puis je vous invite aussi à aller regarder le site YouTube et les réseaux sociaux de Sepsum pour les autres workouts que vous allez certainement aimer. Bye, merci.